Non, mais c'est sûr. Non, c'était juste bonsoir à tous. Donc, pour ce dernier rendez-vous à l'atelier, parce que c'est la clôture de la fin de cette exposition, c'est dimanche soir. Mais la soirée de clôture, c'est vendredi soir, 12h. Donc, pour ce dernier rendez-vous à l'atelier, j'ai invité donc Véronique Marin et Dominique Marin pour discours d'un fragment sur la photographie. Non, mais c'est difficile. Fragment, d'un discours sur la photographie. Sur la photographie. Donc, voilà. Vous avez la parole. Donc, je vais commencer. Donc, le titre exact, c'est « Fragment d'un discours sur la photographie ». C'est un titre que j'ai emprunté à Roland Barthes, même si lui, c'était « Fragment d'un discours amoureux ». Et mon propos, en fait, consistera à un petit itinéraire, le mien, dans le champ de la photographie. Le champ, au sens premier, c'est une promenade à travers certains auteurs qui, pour moi, ont compté et qui m'ont touchée par un certain discours qu'ils portaient sur la photographie. Parmi eux, il y a des photographes et des écrivains et des critiques aussi. Et dans ce parcours, il y aura également le témoignage de mon propre cheminement qui commence. Je suis une jeune photographe. Et je vais commencer par un texte qui ne parle pas de photographie, mais qui parle de fragments. Il s'agit d'un texte de Pascal Quignard. Et au début de cette œuvre, il parle d'un écrivain, La Bruyère, à propos des caractères. Il fut le premier à revendiquer le morcellement et l'absence de plan dans ce qu'il avait écrit. Il fut le premier classique sans doute, aussi bien à prôner l'originalité, à vanter l'irrégularité, à être touché d'un goût de différenciation allant jusqu'au système et à la miniature sans cesse contrastante. La première édition, qui date de 1688, contenait 418 fragments séparés par des pieds de mouche. Alors, les pieds de mouche, ce sont des espaces blancs. On pourrait voir là le premier témoignage d'une sorte de compulsion au blanchiment qui est très moderne et qui est très obscure. Les mots latins de fragmen, de fragmentum, viennent de frango, briser, rompre, fracasser, mettre en pièces, en poudre, en miettes, anéantir. La plus large part de l'art moderne est asservie à une violence qui incite à extirper toute liaison, toute cheville, qu'il a d'ailleurs cessé de supporter, qui pousse à tout contraster plutôt qu'à tout unifier. Le fragment fascine sans doute aussi par ce caractère un peu ruiniforme, dépressif. Il est ce qui s'est effondré et reste comme le vestige d'un deuil. Il est la citation, le reliquat, le talisman, l'abandon, l'ongle, le bout de tunique, l'os, le déchet d'une civilisation trop ancienne ou trop morte. Morceau où se lit quelque chose de séparé par la mort, par le temps, isolé, désolé, pathétiquement dans la relique. Il convient plus que toute autre forme littéraire à la confession de soi, à la complaisance à soi, à la suffisance, au journal intime, à ce regard tendu vers les bouts de reste, symbole insistant dans le deuil natif où tout baigne, minuscule catastrophe, minuscule épave, et minuscule solitude. Un texte de moi concernant les cénotaphes. En lieu et place de votre corps, un tombeau vide, votre nom gravé sur une pierre, le nom de la mer aussi qui vous a englouti, la mer pour linceul, la vague pour chant funèbre, le bleu de l'eau en place du ciel, votre nom gravé sur la pierre, barré de failles, de fentes pour l'usure et la mousse, cicatrice où s'abîme une lettre de votre nom, déplacée dans l'éclat de pierre, votre nom a quitté la ligne droite. Demeurent les mots définitifs
égrené outre-mer, péri, naufrage, regretté, père, épouse, fils, et une date, 1852. Je photographie granit et béton, sable et gravillon, coquillages et mousse dorée. Votre nom aussi, capitaine au long cours, syllabe par syllabe, et les mots détruits. Je rassemble ce qui a été séparé. Claudio Isgro, photographe, à propos de Sylvie Romieux, photographe. Tous les éléments expressifs réunis donnent vie à un nouvel objet d'expression artistique. L'artiste construit un contenant de bois qui réunit les boîtes en carton avec les photographies et les boîtes noires, le module photographique. Elle réalise un labyrinthe de photographies miroirs, créant une nouvelle littérature. Images à la place des mots, boîtes noires pour la ponctuation. Les photographies et les boîtes noires se lient, se renvoient les unes aux autres, comme dans la mémoire où le sens n'est pas linéaire. C'est dans le rêve que se c'est dans le rêve que se trouve la clé, où le symbole et le mystère règnent, où le vrai et le faux s'emboîtent. Dans les modules photographiques se trouvent les traces du tableau de Jo, qui contenait les souvenirs des images précédentes. Un travail en alimente un autre, comme les anneaux d'une chaîne, d'un parcours, d'un voyage, comme cailloux pour retrouver la sortie. Chaque module photographique tente un équilibre précaire entre les masses noires et les photographies, entre vide et plein. Chacun d'eux propose une vision et, lié aux autres, trace des parcours d'exploration. L'autoportrait, lieu et scène sacrés, mannequin, poupée et personnage d'une famille élective, Marguerite Duras, Franz Kafka. À propos de corps morcelé, donc c'est une œuvre qui se trouve dans l'entrée sur le grand carton vertical. C'est le titre que je donne en janvier 2009 à la série de photos que je prends à partir d'une photographie faite par un photographe et qui date de 1990. Mon intention est de faire un autoportrait. En 1990, ce photographe propose de me prendre en photo dans une baraque désaffectée près de Grissan, par les trous du toit en partie effondrés, entre les poutres et les tuiles qui menacent de tomber, une lumière crue pleut. Sur les murs lépreux et le sol en terre battue, jonché de gravats, elle crée des ombres, dessine des personnages, quadrille l'ensemble. C'est un monde morcelé, appelé à la destruction. Ce lieu n'existe plus aujourd'hui. Je prends place près du mur. Mon visage ainsi qu'une partie du mur sont exposés à la lumière solaire. Le résultat montre un jeu subtil entre ombre et lumière, le tissu gaufré du vêtement que je porte, comme le mur de torchis, égrène la gamme des gris. C'est une photo en noir et blanc, un portrait de moi en plan américain et de profil. L'appareil photographique a été incliné sur la gauche, la lumière vient de la droite, entre par le toit. En janvier 2009, je décide de photographier cette photo de moi datée et que j'avais installée sur la cheminée de ma chambre. La série d'images est faite directement à partir de cette photographie. La première photo est protégée par un verre et encadrée. Je place le cadre à la verticale sur un meuble de la salle de bain en raison de la forte clarté qui entre dans cette pièce. La photo reçoit la lumière de manière indirecte. Une légère pellicule de poussière couvre le verre. Je décide de la garder. Les photos sont prises en très gros plan, montrant le corps par un découpage. Dans un léger mouvement descendant, chaque image enregistre un détail du corps. De l'ensemble des images, je sélectionne 6 photos. Sur la première, au premier plan, à gauche, dans l'angle bas, mon visage sans les cheveux. Front, yeux, nez et bouche en partie sont visibles et méconnaissables. Le mur quadrillé en arrière-plan occupe à droite une large part de l'image.
La seconde, visage complet dans l'angle gauche et muraille dominante. La troisième, visage et front tronqués. Présence des cheveux à gauche et haut du torse, en arrière-plan, la muraille très éclairée. La quatrième, cou et haut du torse comme une ombre grise sur le mur éclairé de part et d'autre du corps. La cinquième, bras droit, torse et haut des jambes, avec changement d'angle et de luminosité. Le corps se trouve à droite de l'image, reçoit la lumière du côté du bras. La muraille à gauche dans l'ombre occupe peu de place. Qui devinerait qu'il s'agit d'un corps si cette photo était montrée seule? Dans la dernière image, le corps est positionné complètement à droite. Il quitte l'image de la même manière que la première le montrait entrant. La muraille, toujours dans l'ombre, semble dominer à nouveau l'espace. La succession des photos présente une discontinuité. Le corps disparaît au profit de perceptions multiples. Il y a de la perte et de la redondance. Le visage est montré trois fois. Aligner les photos verticalement ne donne pas une idée réelle de la première photo. Ces images, faites par moi, ne sont pas moi. La première fois où je montre mon travail, je n'ai que la première photo. Un jeu entre mes élèves de troisième et moi, nous échangeons nos autoportraits. Quand la photo circule dans les rangs, les élèves regardent vers le centre de l'image, vers le haut. D'autres l'ont mise à la verticale pour en chercher un sens, le sens. La plupart disent ne pas voir mon visage. Un élève a trouvé que dans le coin en bas à gauche, il y avait une fine branche avec de petites feuilles. Être métamorphosé en un morceau de nature m'a amusé. Il m'a cependant fallu un moment pour me détacher de l'image que je connaissais, que je pensais avoir photographiée, pour apercevoir à mon tour la petite branche et les feuilles. On appelle ça une anamorphose, même si le mot convient plutôt pour désigner un acte volontaire, ce qui n'est pas le cas ici. Sans le savoir, j'avais organisé ma propre disparition. Serge Grigio, à propos de l'installation Conteneur. Pour un projet d'exposition, j'ai fait construire des parallépipèdes en polystyrène, hauteur 1 mètre et 40 cm de largeur. Ils devaient porter des sculptures en argile. C'est en voyant la photo d'un enfant au milieu des détritus, qui était son espace de jeu en Inde, qu'une autre idée s'est imposée. J'ai utilisé les parallépipèdes comme conteneurs. Ils pouvaient recevoir des sacs poubelles que j'ai remplis de détritus, des résidus. Ceux-ci sont peints avec un bleu radieux brillant. Le sac est fixé à l'extérieur par un adhésif. Au-dessus des détritus se trouve un portique peint en jaune, auquel est suspendu un personnage en argile, se tenant d'une main, la tête baissée vers le gouffre d'immondices. Les quatre faces du volume sont recouvertes d'un enduit pour recevoir dessins, graffitis, tags, traces du monde en mutation, numéros, chiffres, codes barres, le plein, le vide, la légèreté, le mouvement, le statique. Un texte de moi maintenant sur une bouteille à la mer. Vous pouvez voir ces photos sur ce petit livre. Peut-être qu'on peut le faire circuler pendant que je parle, si vous voulez regarder les photos. Décembre 2007, les étangs de Grissin. L'humidité comme des perles d'eau sur le paysage et le froid. Le sentier au bord de l'eau jonché de cartouches et de bouteilles. Des canettes de bière, mais pas seulement. Certaines bouteilles isolées, presque cachées par la végétation, enfouies sous les roseaux gris en décomposition. D'autres gisent au bord de l'eau, dans la vase. Flottent des bidons rouillés. J'avance le long du sentier jusqu'à une décharge improvisée. Des dizaines de bouteilles en verre ou en plastique. Vertes, translucides, jaunes, blanches, à col rouge. Des récipients en fer aussi, couchés dans l'herbe rase ou la terre humide, et toujours le rouge des cartouches. Ce sont des détritus, rassemblés là par le vent, les coups de mer, les courants,
d'autres apportées par les chasseurs. Les bouteilles ne pourrissent pas. Plusieurs vies auront passé que ces bouteilles seront encore là pour d'autres regards. Je les photographie, je rebrousse ce chemin pour faire un cliché des premières. Entre écœurement et fascination pour ces objets qui miroitent dans la clarté fade de ce jour d'hiver. Pour la dernière photo, je déplace une bouteille en verre couverte d'une boue blanche et la place dans une flaque. Je profite d'un dernier rayon de soleil. C'est ma bouteille à la mer. La mer A-M-E-R. Plus tard, je sélectionne 12 clichés, conçois une carte de vœux, renonce cependant à la faire circuler. J'envoie aussi quelques photos par internet à Serge Grigio. Il m'en rapporte une, agrandie et entachée de peinture rouge. Intervention du peintre. J'imagine. Ces bouteilles ont été un jour emportées ou jetées à la mer. Elles ne portent trace d'aucun message, ni appel au secours, ni secret, ni signe quelconque adressé à un destinataire. Elles reviennent comme les épaves d'un naufrage, échouent sur la grève. Elles gardent l'empreinte du voyage, usure du verre dépoli, matité du plastique, froissement, écrasement, plissement, contorsion, dislocation, cassure. Certaines sont intactes, d'autres se sont remplies. Le bouchon est conservé ou pas. Je tente une prosopopée, faire parler la bouteille. La mer délivre son message, c'est la bouteille. Les bouteilles ont navigué, elles connaissent chaque vague. Elles reviennent chargées de la mémoire d'un monde qui est appelé à disparaître, celui qu'annoncent les récits d'anticipation. Faire parler les bouteilles, c'est mon intention. Un travail d'écriture que je propose à mes élèves de troisième. Pour nous y préparer, nous nous rendons au mois de mars dans l'atelier de Serge Grigio, à Moux, pour découvrir ses conteneurs, à l'intérieur desquels il a accumulé des détritus peints en bleu, parmi lesquels des bouteilles bleues aussi. Dans l'après-midi, ensemble, nous partons pour une plage de Gruissant avec des sacs poubelles, et ramassons polystyrène, cordage, bouteilles en verre et en plastique, boîtes de conserve rouillées, claquettes, chaussures, jouets, bouchons, emballages plastiques, bois flotté, coquillages, branchages, racines, sable. Serge Grigio filme l'opération rendue difficile à cause du vent très violent et du froid. Ces matériaux doivent servir à la construction de sculptures avec messages pour une exposition en mai 2008 à la médiathèque de Narbonne. Serge Grigio exposera également ses conteneurs. L'élaboration des sculptures s'organise avec Serge et le professeur d'art plastique, Pierre Escudier. Nous élaborons avec les élèves les messages selon la démarche surréaliste du cadavre exquis. Le cadavre, c'est le nom donné à des bouteilles qui ont été bues jusqu'au bout. Le jeu consiste à composer une phrase de manière collective, en écrivant chacun un mot sur un papier que l'on plie avant de le passer au joueur suivant. Nous jouons plusieurs fois et puis nous faisons le tri, reformulons, abandonnons parfois. Je trouve un grand bonheur à la lecture de ces jeux de mots. Dans un premier temps, les messages poèmes ont été glissés à l'intérieur des bouteilles, si bien qu'ils perdaient toute lisibilité. C'était bien là, selon moi, la réalité. Les élèves se sont désintéressés du sort de ces textes composés collectivement. Ils ont écrit individuellement d'autres poèmes qu'ils ont fait figurer sur les sculptures pour l'exposition. Les premiers poèmes ont finalement trouvé place sur un grand carton d'emballage à l'étiquetage rouge déchiré et que j'ai blanchi. Le carton a été ensuite installé dans l'entrée de la médiathèque, à même le sol. Les visiteurs, beaucoup d'enfants, se sont arrêtés pour lire. Les dauphins plongent leurs regards dans le flux et le reflux. Un éléphant de mer accroche tranquillement la rouille et le plastique. Un stylo encre traverse la mer en minuscules et majuscules. Les étoiles furieuses de la mer crient. Les vagues marchent en ordre pendant la nuit. Des poupées cendrées naviguent étroitement serrées. Dans l'antichambre de la sirène, une ombre noire gambade. Les couleurs de la défaite honteuse défilent sur la plage. Il y en a d'autres, j'en ai cité que quelques-uns.
Peut-être pas trop fatiguée. Annie Dupéret, dans Le voile noir. La commode sarcophage. Chez moi, au milieu de la maison, il y a une commode à trois tiroirs. Elle n'est pas reléguée dans un coin ou contre un mur, elle est vraiment au milieu. Elle sert de cloisonnement entre un canapé et le piano. Nous y posons le courrier, nos verres, les enfants leurs jouets. Dans le premier tiroir, il y a les partitions musicales et dans le deuxième, tout le petit fouillis domestique dont on ne sait que faire. Le troisième tiroir tout en bas, je ne l'ouvrai jamais. Il contenait les négatifs des photos de mon père, rangés dans les petites boîtes en carton étiquetées par lui-même pour les négatifs souples, et dans de longues boîtes en bois de sa fabrication pour les plaques photographiques en verre. Il y a près de 20 ans, lors d'un déménagement, elles furent récupérées par ma sœur dans un grenier familial, rouennais, où elles avaient été oubliées. Elle me dit un jour, « J'ai récupéré les photos de papa. » Petit pincement au cœur. J'avais le souvenir de certains tirages accrochés au mur de la maison d'un oncle et chez ma tante, mais j'ignorais qu'il subsistait des négatifs. « Bien, dis-je. » Et le silence retomba sur cela, comme il était tombé depuis si longtemps sur eux. Elle garda pendant quelques années les petites boîtes bien rangées dans le coin d'un autre grenier, puis sa vie, la poussant à changer souvent d'endroit, en laissant tout derrière elle, elle me les apporta un jour. Le tout tenait dans un sac, pas très grand, mais très lourd, à cause des plaques de verre et de leurs boîtes en bois. Nous le contemplâmes à nos pieds, petit objet d'une terrible densité pour nous seuls, trésor intact, rescapé de la catastrophe. Les petites boîtes contenaient les images témoins d'années oubliées par moi et ignorées d'elles, puisque nées à quelques mois avant leur mort. Il y avait là-dedans des photos professionnelles, mais sans doute aussi des photos de famille, de nos parents, leurs visages et leurs sourires figés sur les négatifs. Personne ne les avait touchés depuis que les mains de mon père les avaient glissés dans leurs enveloppes de papier cristal. Tout ce qui nous restait d'eux était là, intact. Nous ressentions une émotion mêlée de respect et d'appréhension, comparable à celle peut-être des archéologues devant la momie qu'ils ont exhumée. Retirer les bandelettes ou laisser le tout en l'état, inviolé. Il ne s'agissait pas là, bien sûr, d'os et de peau, mais du symbole en noir et blanc de ce qui n'était plus. Mais ce que trouvent les archéologues ne vient pas de leur père, et Néfertiti n'est pas leur maman. Nous avons regardé l'écriture décolorée précisant les dates, les lieux, l'aconisme professionnel d'hommes soigneux. La tentation nous poussa à tendre quelques négatifs devant une lampe pour deviner ce qu'ils représentaient. Un paysage, un bord de Seine. Rassurés par leur impersonnalité, nous ouvrîmes une autre boîte. Quand des visages nous apparurent, sourire noir et yeux blancs sur la gélatine, nous rangeâmes le tout et les boîtes furent refermées. C'est un texte que j'ai écrit sur les volets qui sont exposés à l'entrée. C'est l'été, le début de l'après-midi. Les volets fermés masquent la façade aux 15 fenêtres. Au deuxième étage, les stores sont tirés. La chaleur fait trembler l'air. Le soleil frappe contre le mur clair et les volets du premier étage, en bois plein, peints en blanc. Au rez-de-chaussée, la lumière explose en traits crus sur les lames de bois des persiennes, blanches elles aussi. En bas, à l'intérieur, le soleil glisse par les interstices du bois, installe une pénombre ouatée. Les premières photos ont été prises à l'intérieur, au plus fort de la clarté solaire. Les fenêtres ouvertes sur les volets à claire-voie fermée, faisant fi de la chaleur et laissant passage au bourdonnement des insectes. Une seconde série a été prise depuis la cour, face au volet fermé et dans l'avancée de la lumière. Une autre enfin de ces mêmes volets rabattus contre la façade. J'ai été sensible à la modification des parts d'ombre et de lumière sur les lamelles inclinées des volets, le chambranle de la fenêtre et ses rebords en pierre blanche.
Quelques objets ont jeté une ombre sur la pierre que j'ai photographiée. J'ai observé avec attention sur les volets les coups de pinceau dans leur irrégularité, les coulures, les salissures. J'ai vu que le temps avait passé, exaltant la beauté du bois en lutte. J'ai pris plusieurs photos d'une faille, une dépression, une encoche, un suspens dans le bois, comme une virgule dans la lame émoussée. J'ai aimé cette dissemblance au milieu de la répétition, de la régularité. J'ai aimé ce détail. J'ai pensé à un air de piano de Satie, l'ai-je entendu? Un autre ou une autre que moi, il y a longtemps, derrière ces mêmes volets, jouait peut-être du piano en suivant les annotations. Lent, très brillant, en s'interrogeant, du bout de la pensée, en cherchant en vous-même, pas à pas, sur le bout de la langue. Et enfin, pour terminer, je vais vous lire un extrait de La Chambre claire de Roland Barthes. J'allais ainsi seule dans l'appartement où elle venait de mourir, regardant sous la lampe, une à une, ces photos de ma mère, remontant peu à peu le temps avec elle, cherchant la vérité du visage que j'avais aimé. Et je la découvris. La photographie était très ancienne, cartonnée, les coins mâchés d'un sépia pâli. Elle montrait à peine deux jeunes enfants debout, formant groupe, au bout d'un petit pont de bois dans un jardin d'hiver au plafond vitré. Ma mère avait alors 5 ans, 1898. Son frère en avait 7. Lui appuyait son dos à la balustrade du pont sur laquelle il avait étendu son bras. Elle, plus loin, plus petite, se tenait de face. On sentait que le photographe lui avait dit « Avance un peu, qu'on te voit ». Elle avait joint ses mains, l'une tenant l'autre par un doigt, comme font souvent les enfants d'un geste maladroit. Le frère et la sœur, unis entre eux, je le savais par la désunion des parents, qui devaient divorcer peu de temps après, avaient posé côte à côte, seuls, dans la trouée des feuillages et des palmes de la serre. C'était la maison où ma mère était née, à Chennevières-sur-Marne. J'observais la petite fille et je retrouvais enfin ma mère. La clarté de son visage, la pose naïve de ses mains, la place qu'elle avait occupée docilement sans se montrer ni se cacher, son expression enfin qui la distinguait comme le bien du mal, de la petite fille hystérique, de la poupée minaudant qui joue aux adultes, tout cela formait la figure d'une innocence souveraine, si l'on veut bien prendre ce mot selon son étymologie, qui est « je ne sais pas nuire ». Tout cela avait transformé la pose photographique dans ce paradoxe intenable et que toute sa vie elle avait tenu, l'affirmation d'une douceur. Sur cette image de petite fille, je voyais la bonté qui avait formé son être tout de suite et pour toujours, sans qu'elle l'atteint de personne. Comment cette bonté a-t-elle pu sortir de parents imparfaits, qui l'aimèrent mal, bref, d'une famille? Sa bonté était précisément hors jeu. Elle n'appartenait à aucun système, ou du moins, elle se situait à la limite d'une morale, évangélique par exemple. Je ne pourrais mieux la définir que par ce trait, parmi d'autres, qu'elle ne me fit jamais de toute notre vie commune une seule observation. Cette circonstance extrême et particulière, si abstraite par rapport à une image, était présente cependant dans le visage qu'elle avait sur la photographie que je venais de retrouver. Pas une image juste, juste une image, dit Godard. Mais mon chagrin voulait une image juste, une image qui fût à la fois justice et justesse. Juste une image, mais une image juste. Telle était pour moi la photographie du jardin d'hiver. Pour une fois, la photographie me donnait un sentiment aussi sûr que le souvenir tel que l'éprouva Proust, lorsque se baissant un jour pour se déchausser, il aperçut brusquement dans sa mémoire le visage de sa grand-mère véritable, dont pour la première fois je retrouvais dans un souvenir involontaire et complet la réalité vivante. L'obscure photographie de Chennevières-sur-Marne avait été le médiateur d'une vérité, à l'égal de Nadar donnant de sa mère ou de sa femme, on ne sait, l'une des plus belles photos au monde.
Il avait produit une photo qui tenait plus que ce que l'être technique de la photographie peut raisonnablement promettre. Ou encore, car je cherche à dire cette vérité, cette photographie du jardin d'hiver était pour moi comme la dernière musique qu'écrivit Schumann avant de sombrer, ce premier chant de l'aube qui s'accorde à la fois à l'être de ma mère et au chagrin que j'ai de sa mort. Je ne pourrais dire cet accord que par une suite infinie d'adjectifs. J'en fais l'économie, persuadée cependant que cette photographie rassemblait tous les prédicats possibles dont se constituait l'être de ma mère, et dont inversement la suppression ou l'altération partielle m'avait renvoyé aux photos d'elle qui m'avaient laissé insatisfait. Ces photos-là, que la phénoménologie appellerait des objets quelconques, n'étaient qu'analogiques, suscitant seulement son identité, non sa vérité. Mais la photographie du jardin d'hiver, elle, était bien essentielle. Elle accomplissait pour moi, utopiquement, la science impossible de l'être unique. Je ne pouvais non plus omettre de ma réflexion ceci, que j'avais découvert cette photo en remontant le temps. Les Grecs entraient dans la mort à reculons. Ce qu'ils avaient devant eux, c'était leur passé. Ainsi ai-je remonté une vie, non la mienne, mais celle de qui j'aimais. Partie de sa dernière image, prise l'été avant sa mort, si lasse, si noble, assise devant la porte de notre maison, entourée de mes amis, je suis arrivée, remontant trois quarts de siècle, à l'image d'une enfant. Je regarde intensément vers le souverain bien de l'enfance, de la mère enfant. Certes, je la perdais encore deux fois. Pardon, je la perdais alors deux fois, dans sa fatigue finale et dans sa première photo, pour moi la dernière. Mais c'est alors ainsi que tout basculait et que je la retrouvais enfin, et c'est marqué en italique, telle qu'en elle-même. Tout le monde aura reconnu, je pense, le vers de Mallarmé sur le tombeau d'Edgar Poe. Voilà.